Bonsoir, le temps était variable ce lundi, beaucoup de soleil sur le flanc est et sur le sud, mais beaucoup de nuages sur les régions du nord-ouest. Pour demain matin, la grisaille va s'imposer sur les deux tiers nord avec de la pluie au nord de la Loire, de faibles précipitations et un vent assez sensible. En revanche, le soleil va se maintenir des Pyrénées jusqu'au quart sud-est en allant vers la Suisse. L'après-midi, le soleil persistera sur les régions du sud entre les Pyrénées et les Alpes. En revanche, sur les deux tiers nord, beaucoup de nuages et quelques gouttes, et des pluies qui vont s'intensifier au fil des heures sur le nord-ouest avec également un renfort du vent. Les températures de votre mardi matin, comprises entre 3 degrés à Aurillac et déjà 13 à 14 degrés sur l'ensemble des régions du nord-ouest, température excessivement douce, et puis l'après-midi, une grande douceur pour tout le monde, entre 13 et 22 degrés, il fera 15 degrés à Bruxelles, 17 à Paris ainsi qu'à Rennes, 20 degrés pour le Pays Basque et 21 pour Nîmes. On passe à la soirée de votre mardi pour signaler qu'un coup de vent va concerner les régions du nord. On va le retrouver surtout entre les côtes normandes et la Belgique avec des rafales de 80 à 90 km à l'heure dans les terres, 100 km à l'heure près des côtes. Ça persistera d'ailleurs jusqu'en cours de nuit vers l'extrême nord et vers la Belgique. Rapidement, on passe à votre mercredi avec un temps plus calme, mais encore beaucoup de nuages sur les régions du centre, du nord et de l'ouest, davantage de soleil pour le sud-est et les températures seront toujours dans la douceur. Pour la suite, avec jeudi, une nouvelle dégradation est attendue sur les deux tiers nord avec de nombreux nuages et quelques gouttes, pluies qui vont s'intensifier en cours d'après-midi sur l'extrême nord, et puis le temps restera sec et lumineux entre les Pyrénées, les Alpes et la Méditerranée. Température toujours douce au nord comme au sud. On passe à la suite de votre semaine avec un changement radical de temps qui s'annonce pour vendredi. Pluie soutenue et forte rafale de vent sur les deux tiers nord du territoire. Le temps ne restera sec que vers les Pyrénées et la Méditerranée. Et puis pour samedi, les pluies vont se décaler vers les régions du sud. Au nord, un ciel de traîne et surtout les vents vont basculer au secteur nord avec une dégringolade absolue des températures au nord comme au sud. On va passer sous les normales et avec ce temps, on pourrait avoir quelques giboulées jusqu'à très basse altitude, voire en limite des plaines, et c'est le même type de temps que l'on va retrouver pour dimanche avec un temps véritablement hivernal, température digne d'un mois de décembre avec des giboulées, parfois de la neige fondue en plaine, de la neige en tout cas sur tous les massifs, et même chose d'ailleurs pour lundi, même si le temps devrait s'apaiser par le nord-ouest, température excessivement basse pour la saison, 6 degrés à peine en moyenne l'après-midi, 8 pour le sud. Demain, nous serons le mardi 17 novembre, nous fêtons les Élisabeth et nous perdons 3 minutes de soleil. Je vous souhaite une très bonne soirée et on se retrouve comme d'habitude demain soir à 21h. À demain.